Dans cette vidéo, il est question de Johann Strauss II. J'explique les faits les plus importants concernant la vie et les œuvres du compositeur. Johann Strauss II est né en 1825 à Vienne, en Autriche. Il était le fils de Johann Strauss II, un compositeur et chef d'orchestre célèbre. Dès son jeune âge, il a montré un grand talent musical. Cependant, son père ne voulait pas qu'il devienne musicien. Johann Strauss II est principalement connu comme le « roi de la valse ». Il a composé plus de 400 valses. Sa musique est devenue très populaire et a rendu la valse viennoise mondialement célèbre. L'une de ses œuvres les plus connues est l'opérette « Die Fledermaus ». Elle a été créée en 1874 et demeure une pièce populaire à ce jour. La musique et l'intrigue humoristique captivent le public. Strauss a vécu à l'époque du romantisme, une période où les émotions et l'imagination étaient importantes dans l'art. Sa musique reflète souvent des idéaux romantiques comme l'amour et le désir. Johann avait deux frères, Joseph et Edward, qui étaient également musiciens. Ils travaillaient souvent ensemble et interprétaient les œuvres des uns et des autres. Cette collaboration a renforcé la tradition musicale de la famille. Strauss a eu un impact significatif sur le développement de la musique de danse. En plus des valses, il a également composé des polkas et des quadrilles. Ces morceaux étaient souvent joués lors de bals et d'événements sociaux. Strauss a beaucoup voyagé et a donné des concerts dans divers pays européens. Il était célébré partout et sa musique a influencé de nombreux autres compositeurs. Ses tournées ont contribué à la diffusion de la valse. Dans ces dernières années, Strauss a continué de composer de la musique avec succès. Il est mort en 1899 à Vienne. Son héritage perdure dans ses nombreuses œuvres qui sont encore jouées aujourd'hui. Johann Strauss II a eu un impact durable sur l'histoire de la musique. Ses œuvres font partie importante du répertoire classique et ses mélodies sont connues dans le monde entier. Il a élevé la valse viennoise au rang d'art.